Dis à quelqu'un, Jésus est présent. Dis à quelqu'un, Jésus est présent. Jésus est présent. Ça va, Jésus? Même Jésus. Hein? J'aime beaucoup Jésus. Bien. Excusez-moi une minute. J'aime beaucoup Jésus. Pourquoi tu aimes Jésus? Il est ton? Il est ton sauveur? Il est mon Dieu, il est mon sauveur, il est mon roi, il est mon Seigneur, il est ma vie. D'accord. Mon papa, il est pour les femmes? Oui. D'accord. Ok. Je vois déjà, je sais d'où vient ton engouement. Au niveau de ta tête, c'est ça, les choses marchent, tout ça. Voilà. Maintenant, la confirmation que je reçois tout de suite. D'accord? Tu étais à la vacance, c'est ça, ordinaire? Oui. Le 2014. D'accord. Laurent, c'est qui? Hein? Ta demi-sœur. De la première femme de ton père. C'est ça? Oui. La première femme de ton père. Oui. Ok. Ce qui se passe dans ta tête, il y a des choses qui marchent dans ta tête. Oui. Ça se passe comment? Ça marche. Chaque fois, ça marche. Quand c'est comme s'il me déposait quelque chose en moi. Quand je prie en. Je dis par exemple, je te maudis comme le figuier que Jésus a maudit. Je te maudis. Et ça quitte là et ça part ailleurs. D'accord. Mais tu peux pas. J'aime pas que tu fasses des histoires, d'accord? Non. Okay. Cette sœur, elle a envoyé des salamandres mystiques contre toi. Et ce salamandre mystique là, qui est rentré dans ta vie. Tu as déjà vu ça? Oui. Comment ça s'est passé? Tu veux m'expliquer? En fait, quand j'étais en vacances, c'était la nuit parce que dans la journée, je suis chez ma mère. Et quand je suis rentré le soir dans mon appartement, je vois rentrer. J'ai dit, tu as vu les frappes, c'est la famille? Oui. Dans la maison? Voilà. Et je cherchais à le tuer. Il a disparu. Et j'ai dit, mais. La salamande a disparu? Oui. Oui. Et quand je suis arrivé, un peu de temps après. Et tu as eu le mal. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mouches, puisqu'il était mort devant la porte. Des mouches. Donc ma voisine, c'est une blanche, et puis elle sort et dit c'est quoi ces mouches de désert que tu as? J'ai dit, mais toi, tu as déjà vu les mouches de désert? Il dit, non, c'est pas des mouches ordinaires. Hein. C'est pas les mouches qu'on trouve. Mais chaque soir, chez toi, elle te suit. Voilà. Et puis il y a des moustiques qui rentrent. Maintenant, je t'ai dit déjà qu'elle te suit. Non seulement ça, que ton sang, ils sont en train d'utiliser ton sang. N'est-ce pas? Ils adorent un serpent python. Et c'est à partir du salamandre qu'ils ont mis en toi. Cette sœur introduit en toi. Elle est son mari, bien sûr, avec en complicité avec son mari, qui est mystique. D'accord. Il est devenu marabout. D'accord. C'est au travers de ça que les gens nourrissent leur serpent mystique. C'est pour ça que tu ne peux pas évoluer. Et pendant que je parle, j'ai l'impression de voir la salamandre autour de ton cou, de ta poitrine. Tu es en train de tourner. Ça va? Tu ressens la même chose? C'est comme si c'est en train de tourner. Maintenant, je vois ça en train de tourner, on le voit ici. Tu veux délivrer? Oui. Tu es sûr? Oui. Jésus, le Seigneur. Oui. D'accord? Amen. Amen. Madame Emma. Amen. Madame Emma. Amen.
Sort.
Acclamer Jésus.
Ça peut faire tes muscles. Ça fond tes muscles. D'accord. Ton sang, tu sens. Vous comprenez? Ton sang chauffe. Oui. Ça chauffe à l'intérieur, mais la température n'est pas extérieure. C'est à l'intérieur que tu sentais le sang chauffer. Oui. Et l'aurore, c'est qui? C'est ma soeur. Elle est laquelle hier? La première femme de ton père. Oui. D'accord. Et est-ce que laisse Dieu faire, il faut pas faire palabre, d'accord? Non, je suis okay. Donc maintenant, Dieu est en train de régler. Je veux dire, faut pas envoyer son famille. D'accord. Ce problème là, il est en train d'être réglé. Okay. Voilà. D'accord. Si Dieu révèle l'origine de ton mal avec précision. D'accord? C'est que Dieu entend de régler ton problème. Celle qui gérait toute ta vie. Maintenant, tu viens délivrer. Amen. Va t'asseoir. Les portes seront grandement ouvertes. Va t'asseoir. La grâce de Dieu. Va t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est dangereux, vous pensez que les gens ne vous suivent pas, ils vous suivent. Vous pensez que vous n'avez pas le contact des gens, mais les gens, ils vous suivent, ils savent. C'est pour cela que Dieu, il faut des ministères de délivrance. Tant qu'il aura la présence des ténèbres dans votre vie, sera difficile pour vous d'avancer. Si vous n'avancez pas, c'est qu'il y a un obstacle. Il y a une main obscure qui vous fait que vous n'avancez pas. Tant que la main n'est pas dégagée, on n'aurait pas de guérison ni un miracle. J'ai envoyé le feu chez elle là-bas, d'accord? Amen. Amen. D'ici deux semaines, tu viendras dans le témoignage. Amen. La puissance de Dieu.